Bonjour et bienvenue au Domaine Ragot. Moi je suis Nicolas, le viticulteur du domaine. Donc nous exploitons 9 hectares de givry, exclusivement des givry. Donc là on se trouve sur les hauteurs de notre belle appellation. Par un beau temps de soleil et on est sur le 6e jour de vendange. Actuellement donc à la tête de l'exploitation, Nicolas, donc moi-même, la 9e génération de vignerons. Donc mes prédécesseurs jusqu'on remonte jusqu'en 1760. La particularité de la Grande Berge, c'est que nous avons 5 parcelles sur ce même coteau. Sur ces 5 parcelles, en fait, nous avons 2 niveaux de sol, puisqu'en fait, Grande Berge veut dire en fait faille. Et la Grande Berge, en fait, elle a été cassée. Et on a une partie qui est plutôt haute, donc on est sur des terrains argilo-calcaires avec une présence de calcaire assez forte et un sol peu profond. Et la partie basse, on a des sols un petit peu plus lourds. Du coup, on a une très belle complexité de nos 5 différentes parcelles sur le même climat qui s'appelle Grande Berge. C'est des sols qui sont assez faciles à travailler. Donc moi, je fais beaucoup de labour, beaucoup de travail de sol, de façon à aérer le sol, amener des éléments. On broie aussi tous les serments d'hiver de façon à faire ramener de matière organique pour refaire vivre ce sol, avoir un sol très vivant. Donc Grande Berge au domaine, sur les 5 parcelles, ça représente 2 hectares. On a à peu près 3 parcelles qui ont une quinzaine d'années, une parcelle qui a à peu près un petit peu plus de 30 ans et une parcelle qui arrive à 50 ans. Mon givry village et mon givry premier cru la Grande Berge, le travail est exactement le même, tout est vendangé à la main. On amène la vendange à l'égrappoir, c'est égrappé, on met directement en cuve, et donc la vinification est strictement la même. Donc là on a gardé que les fruits, donc que les grumes, et donc pour le moment on a abaissé la température de façon à faire de la macération à froid pour extraire principalement la couleur et les arômes primaires. Donc le givry village, après vinification, va partir en élevage en poudre. C'est des gros tonneaux en chêne de 3000 litres pour une durée de 12 mois complet. Donc après vinification, les premiers crus de la Grande Berge sont élevés en fût. En fût de 225 litres pendant une durée à peu près de 12 mois. Chaque fût est sélectionné principalement dans les forêts donc françaises 100% du centre de la France, de l'Allier et particulièrement la forêt de Bertrange. Un tiers des fûts sont renouvelés chaque année, donc soit un élevage d'un tiers fût neuf.